Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer des exercices spécial culotte de cheval. Avant toute chose, si votre objectif est de perdre de la graisse au niveau de la culotte de cheval, sachez que ce ne sera pas possible avec les exercices que je vais vous proposer. Il est impossible de perdre de la graisse de manière ciblée. Il faut avant toute chose perdre au niveau global, donc grâce à des exercices cardio. Les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va aider à tonifier et à muscler la zone ciblée et à activer la circulation sanguine. Donc si vous souhaitez des résultats à ce niveau-là, il faudra varier vos séances avec des exercices cardiovasculaires d'une part, des exercices ciblés comme on va le voir aujourd'hui, et surtout une très bonne alimentation. J'espère que vous êtes en forme, on commence de suite. On commence avec des squats, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, on descend les fesses vers l'arrière, on garde le dos droit, on ressent le poids du corps dans les talons et on fait attention à ce que les pointes de pied ne dépassent pas les genoux. Contractez vos fessiers volontairement à la descente et à la remontée. C'est parfait, continuez. Le prochain exercice, on restera sur une jambe, donc bien ancrée dans le sol, genou légèrement fléchi. Une jambe sur le côté et en même temps légèrement vers l'arrière. Et on fera des tout petits cercles, on y va. Pour cet exercice, pensez également à contracter vos fessiers volontairement, à garder le dos bien droit, donc serrez vos abdos. Très bien, continuez. On enchaînera avec un combo des deux exercices. On fera deux petits squats et à la remontée, trois petits cercles avec la jambe. Pensez toujours à contracter volontairement vos fessiers. Si ça ne vous brûle pas, c'est que vous ne contractez pas assez. On y va pour une minute. On est aujourd'hui sur du renforcement musculaire, donc faites des mouvements lents pour bien ressentir la contraction. Restez sur ce rythme, c'est parfait. On enchaînera ensuite avec des fentes croisées. La jambe qui travaille vers l'avant et l'autre vers l'arrière est légèrement croisée sur la pointe de pied. Gardez toujours le buste et les épaules face à moi. Serrez vos abdos et poussez sur le talon de la jambe avant à la remontée. On descend lentement le plus bas possible et on fait attention à ce que le genou ne dépasse pas les orteils. On y va pour une minute. On reste sur le même exercice, mais on amplifie en faisant deux petits vers le bas et on remonte. Contractez toujours bien vos fessiers et si c'est trop dur, ne descendez pas aussi bas. Super, relâchez, décontractez un petit peu les jambes. On va bien évidemment refaire tous ces petits exercices, mais on va faire travailler l'autre jambe. Préparez-vous, on va repartir sur nos squats, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et c'est parti pour 30 secondes, essayez de descendre un petit peu plus bas vos fesses. «
Super, relâchez et on enchaîne tout de suite nos petits cercles avec la jambe. Restez toujours bien ancré sur votre jambe d'appui parce qu'elle travaille également. Très bien, et notre combo, deux petits squats et trois petits cercles. N'essayez pas d'aller trop vite, allez-y lentement, contractez bien volontairement vos fessiers et vos cuisses et pensez à respirer profondément. Super, bravo, relâchez, on enchaîne tout de suite avec nos fentes croisées. Restez bien le buste et les épaules face à moi et contractez bien vos abdos, ils travaillent aussi. Continuez, mais on fait deux petits vers le bas et on remonte. Poussez bien sur votre talon. Et super, récupérez un petit peu, dégourdissez vos jambes, buvez un petit coup et on va ensuite pouvoir passer au sol. Allongez-vous sur le côté, mettez-vous à l'aise, vous pouvez soutenir votre tête ou vous allonger complètement. Une jambe fléchie au sol et l'autre jambe tendue, pointe flex, et cette pointe devra toujours être orientée vers le sol. Dans un premier temps, la jambe dans l'alignement du corps et on va faire des petits battements. Et c'est parti pour 30 secondes. Plus vous lèverez votre jambe, plus vous travaillerez. Et encore une fois, contractez volontairement vos fessiers et votre cuisse. Vous devez sentir que ça brûle. Très bien, ne lâchez pas, continuez, sauf que vous avancez votre jambe légèrement vers l'avant. Toujours la pointe de pied et votre jambe orientée vers le sol. Ne relâchez pas, restez sur ce rythme, on va changer. On va faire un battement vers l'avant, un battement au milieu et un battement vers l'arrière. Et ce n'est pas fini, ne relâchez pas, on remet la jambe au milieu et on fait des tout petits battements vers le haut. On tient la jambe en l'air 5 secondes.
Et parfait, très bien. Relâchez doucement. Mettez-vous sur le dos et secouez un petit peu vos jambes. Respirez. Prochain exercice sur le dos, celui-ci bien ancré dans le sol. La même jambe qu'on vient de faire travailler, pied à plat près des fesses. Et l'autre jambe surélevée. Et on vient monter le bassin en poussant dans le talon, en serrant les abdos et en contractant volontairement les fessiers. Rien ne sert d'aller chercher trop haut, le plus important c'est de bien contracter vos fesses. C'est parti pour 30 secondes. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à garder vos deux pieds au sol. Parfait, gardez le rythme et on reste sur des tout petits vers le haut. Poussez bien sur votre talon et rentrez le nombril. Allez, pour les dernières 5 secondes, on reste en haut. Parfait, relâchez, très bien, dégourdissez un petit peu les jambes. On va ensuite faire travailler l'autre jambe, donc on va refaire les mêmes exercices. Vous pouvez changer de côté. On s'allonge confortablement, on tend sa jambe en pensant à bien garder la pointe flex vers le sol. Allez, on se met en position, on va faire les battements d'ici quelques secondes. Et allez, 30 secondes. Très bien, continuez. Rappelez-vous, on passe la jambe légèrement vers l'avant. Et combo vers l'avant, on revient au milieu et vers l'arrière. Et on termine avec nos petits battements, la jambe au milieu, ne relâchez pas, respirez bien. On tient la jambe en haut les dernières secondes. Et parfait, relâchez, très bien. On se met sur le dos, on dégourdit un peu les jambes. On va par la suite terminer cette séance par nos élévations de bassin sur une jambe. On se met en place, le dos bien plaqué au sol. On lève le bassin. Et on y va ensemble 30 secondes. Ne donnez surtout pas d'à-coups, allez-y tranquillement et contrôlez votre mouvement.
Parfait, continuez des tout petits vers le haut. Ça brûle, c'est normal, continuez, mais si ça devient vraiment trop dur, mettez-vous sur vos deux pieds. Ok, 5 dernières secondes, on reste en haut. Très bien, vous pouvez reposer vos jambes, les tendre. Secouez-les un petit peu, tendez vos bras vers l'arrière, grandissez-vous. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Laissez-vous doucement rouler sur le côté. Et c'est terminé, bravo à vous. Je vous remercie d'avoir fait cette séance en ma compagnie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire cette petite séance une à deux fois par semaine, en complément donc d'une activité cardiovasculaire et surtout d'une alimentation saine et équilibrée. N'oubliez pas également d'ajouter du stretching à vos séances hebdomadaires. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous ne transpirez pas, mais vous scintillez. Ciao !